Amis habitués du Congo Channel TV, on est ici tel que l'on disait tantôt, à l'hôpital du Cinquantenaire, là où repose le corps du légende du football congolais, Ndaye Mutumbule. Et on est avec le coach Kalamba Yotepa, eux qui ont vécu ensemble avec ces légendes qui n'est plus. Il va bien sûr essayer de nous donner un bref aperçu de ce qui a été peut-être le caractère non connu de ces grands joueurs. Bonjour coach. Bonjour. Quelles sont vos impressions aujourd'hui après la disparition de votre collègue? Oui, mais c'est une désolation. Quand il y a un mort, ça veut dire on n'est pas content, on se remémore un peu ce qu'il a été, tout ça, mais on n'est pas content du tout. Bon, sauf que c'est le destin de tout le monde. On s'attend à ce qu'un jour, tout le monde clame. Et avec ça, je crois que c'est ainsi que nous gardons quelque chose de meilleur pour les morts. Que pourriez-vous dire à ceux qui nous suivent actuellement, vous qui avez peut-être joué sur le même terrain avec lui, qui êtes partis ensemble à la Coupe du Monde, qu'avez-vous retenu de ce grand homme qui n'est plus avec nous? Bon, je me rappelle bien avant ça, il jouait chez Chinkunku, moi je jouais chez Tupisa Mazembe. On s'est rencontrés, tout ça. C'est un gaillard peut-être impulsif, mais qui, quand il faut jouer, tout ça, de choses dans les gens, il se déploie. Il a de la vitesse, tout ça, c'est ce qui fait sa grande force. Et puis, c'est un type convivial, quoi. Alors, nous avons vécu la première sélection ensemble en 1969 contre les Santos du roi Pelé. Quand nous avions battu le roi Pelé 3-2, il avait été dans la sélection. C'était la première sélection en équipe nationale ensemble. C'était en janvier 1969. Alors, c'était un gaillard vivable. Alors, coach, aujourd'hui, vous êtes parmi les légendes. Ensemble, vous êtes encore en vie. Dieu merci. Que dites-vous de votre vie quotidienne, vous qui peut-être avez ramené la RDC au niveau où nos jeunes joueurs n'ont pas pu jusque-là, et que peut-être le gouvernement s'occupe mieux ou bien ne s'occupe pas tellement de vous?
Non, on ne se plaint pas tellement beaucoup. Se plaindre, c'est normal. Nous, nous vivons dans un pays sous-développé où les gens sont obligés de fournir beaucoup plus d'efforts pour vivre. C'est ainsi qu'avec nous, nous fournissons beaucoup plus d'efforts pour vivre. On ne se plaint pas tellement. On ne peut pas dire qu'on est riche, on ne peut pas dire qu'on est pauvre. Mais on s'occupe de nous d'une façon rationnelle, quoi. Mais parce que certaines langues disent que la mort de Naïm Outoumbé est précipitée par la manque de moyens. Non, c'est pas manque de moyens. Ça veut dire, vous savez, quand vous tombez malade aujourd'hui et que le lendemain pareil au même, tout ça, des choses dans les gens, sachez qu'il vous faudrait des soins appropriés. C'est ainsi qu'il a eu des soins appropriés. Dieu merci, parce que la République a voulu qu'il soit soigné en Inde d'abord, et puis en Afrique du Sud, de tout ça. Mais c'est une mort. Quand votre destin est déjà tracé, c'est fini. Si vous devez mourir, vous devez mourir. C'est pas que il est mort parce qu'on lui a pas donné son paiement, parce que... Non, ce n'est pas ça. Alors là, je crois que c'est un message fort que vous lancez à tous ceux qui croient que nos anciens léopards, comme vous, n'êtes pas tellement mieux équipés au pays. Alors, je crois, pour finir avec vous, quel message lancez-vous personnellement à tous nos jeunes joueurs en vue de pérenniser l'action qui a été commencée par Naïm Outoumbé de marquer 9 buts dans une phase finale de la CAN? Mais ça, c'est pratiquement une obligation pour la jeunesse d'aujourd'hui, parce que non seulement il y a la réputation, il y a aussi les revenus. Ça veut dire que les gens sont en train de vivre dans ça. Tout ça, quand on veut améliorer sa vie quotidienne, je crois qu'on ne peut pas ne pas passer, si on est footballeur, on n'est pas passé par les efforts à fournir et à pouvoir faire quelque chose. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Alors, cher ami habitué de Congo Channel, tel que l'on disait tantôt, on est en direct de l'hôpital du Cinquantenaire. Je crois vous aurez à suivre la levée du corps de ces grands légendes. Lui qui, marquant en son temps 9 buts dans une phase finale de la Coupe africaine des Nations, CAN en cycle, qui jusqu'à ces jours, avec bien sûr la sortie de certains joueurs de pays d'Afrique, notamment Trésor Drogba, notamment, ils sont nombreux, des Camerounais et tout, qui n'ont pas pu égaler ces légendes. Et je crois que vous aurez à suivre l'ambiance qui va se passer ici, en direct de Kinshasa, dans le cadre de la levée du corps de ces grands légendes. Restez branchés. Yeah.
nationale. Avant toute chose, nous allons demander au pasteur Papi Moutou de dire la prière à mémoire de notre frère Pierre Ndaye Modamba Moutoumoué. Pasteur Papi. S'il vous plaît, si nous pouvons tous s'élever, juste pour Ndaye. Merci Seigneur, nous te bénissons infiniment, puissant. Tout ce que nous avons fait de sorte que ces choses, pour cette cérémonie est liée, et cela ne vient pas de notre propre forme de mouvement. Tout cela, nous voulons une fois de plus élever ton nom. Enfin, le début est à la fin de toutes choses que nous allons faire. Et toi seul, sois le guide et tu puisses nous orienter de manière à ce que tout ce qui est bon, les désagréments, n'est lié. Seul, ton esprit puisse guider tout et chacun de nous au travers les services auxquels tu as attribué à tout et chacun. Que cet obsèque monté mon doigt, que nous l'amenions jusqu'au dernier de sa demeure. Pour cela, nous t'élevons, toi qui connais et toi qui as fait de sorte que aujourd'hui, messieurs, le corps de défunt sera conduit au palais du peuple. Et c'est là que nous allons commencer la messe à 18h30 et après. Nous aurons le réveillon par groupe d'intérêt jusqu'au lendemain matin et le mardi matin commenceront les obsèques officielles qui sont présidées par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Demain, il y aura des témoignages, il y aura des dépôts de gerbes des fleurs. La famille, nos vaillants léopards, nous avons notre entre là-bas, c'est là que nous irons faire que nous la passer. Nous voulons libérer plutôt les autorités qui sont ici. Les reporters, laissez les passages. Mettez-vous en bon reporter. Laissez les passages ici, s'il vous plaît. Comme ça, le problème. Oui, mais il rentre pas. Non, famille là-bas, nous avons notre place là-bas. Famille au stade. Oui, je crois que c'est. Voilà, oui. Oui. Je crois que nous pouvons en même temps libérer la salle. Peut-être que Son Excellence va rester pour qu'on lève les corps. Thank you.
Merci.